En 2013, à Jésus-Christ, toute la province est occupée par la corruption et le crime. Toute? Non. Un petit village peuplé d'irréductibles résiste toujours à l'envahisseur. Le village de Québec et son héron, le grand Régix. Et le gros qui est plus ou moins son ami, c'est Codérix. Ouais, Prince moi. Et si on allait dans un sommet bénéfique? Codérix, tu sais très bien que quand t'étais petit, t'es tombé dans la marmite à spaghettis. Régix enseigne tous ses secrets à Codérix. Lui, il faut s'en méfier. Gilles, vaillant courriste. Ouais, mais toi, là, comment tu fais pour garder ta population satisfaite? Toujours faire attention à ce que tu dis. Ah, il faut penser aux citoyens. Ouais. Il faut penser à la population. Je pense qu'il est important de tenir compte de manière à permettre l'établissement d'une politique structurée dans le sens d'une résolution. Codérix, t'es écœurant. Tu parles, mais tu dis rien. T'es vive, vive, vive. Ah. Tu vas aller loin dans vite. C'est maintenant le temps de passer au cours pratique. Vous devrez attaquer une patrouille de connu. On négocie le Gix. Regarde bien ma technique. Partout à travers Gix. Avec un mandapon, tu peux te séparer. Regix, comment tu fais pour refuser les enveloppes brunes? Déjà que j'ai été chanceux d'éviter le scandale des commandix. Ah ben ça, c'est la potion magique, ça! Ça nous empêche d'être faibles et corrompus! Et c'est cette même potion que notre grande druidesse fabrique, Madame Lac Mégatix. C'est une sommité en gestion de crise. Arrêtez, arrêtez, je ne fais que mon travail! Je lève ma charoise à Lac Mégatix! À ma ville! Régix, si tu l'as pas ton équipe de gladiateurs de Phoenix, là, qui c'est que les gens vont aller voir dans ton colisée? En attendant, on ira voir des spectacles de Mary Mix, Marc Duplix, puis Star Academics, je te dis. Ne manquez pas Régix et les deux de Pix dans une bourgade près de chez vous.